Je vous remercie, hein, tous ceux qui se joignent à nous ce matin, un matin de printemps. Alors, on a de la compétition ce matin pour un printemps actif au Canada. Je me présente, je suis Marie-Ève Desrosiers, je suis titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone. Je me joins à vous ce matin pour accueillir avec un très, très grand plaisir notre invité, le professeur Oumar Ba, qui vient présenter ses travaux les plus récents dans le cadre d'un midi-conférence qui s'intitule « Les États africains et la justice pénale internationale au-delà des clivages ». J'en profite pour vous mentionner que l'événement, il est organisé dans le cadre du mois de la francophonie et il est une collaboration entre le Centre d'études en politique internationale, le CEPI, le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone et ma chaire. Donc, professeur Ba, nous sommes nombreux à vous accueillir sur le campus de l'Université d'Ottawa et à vouloir découvrir vos travaux sur les relations qu'entretiennent les États, et entre autres les États africains, avec la justice pénale internationale et la Cour pénale internationale. C'est d'ailleurs l'objet de votre récent ouvrage qui s'intitule States of Justice, the Politics of the International Criminal Court, qui a été publié à Cambridge en 2020. Je prends une minute pour mentionner le fait que c'est évidemment pas une coïncidence, cette invitation à découvrir vos travaux sur l'Afrique dans le cadre du mois de la francophonie, parce qu'on sait évidemment le poids de l'Afrique dans cette francophonie. L'Afrique est un des cœurs battants de la francophonie. Mais c'est aussi l'occasion de s'entretenir, vous et moi, des études et des regards qu'on porte à l'Afrique à un moment qui est stratégique pour l'Université d'Ottawa. Notre institution a un intérêt marqué quant au développement de partenariats avec le continent africain, les institutions universitaires sur le continent africain. Et on est également en train de développer un programme en études africaines. Donc, c'est une des raisons qui n'est pas trop cachée de l'invitation. Donc, un gros, gros merci d'être parmi nous. Évidemment, la raison principale pour ce rendez-vous ce matin, vous, professeur Ba. Donc, je vous présente un peu plus amplement pour notre public. Vous êtes professeur de sciences politiques à Morehouse College à Atlanta, qui est un liberal arts college dont l'histoire est absolument fascinante. Mais un petit oiseau m'a également dit que vous quitterez bientôt pour Cornell à partir du 1er juillet. Vous êtes à Cornell University. À Morehouse, et j'imagine que ce sera également le cas à Cornell, vous enseignez les relations internationales, les questions de sécurité, les questions de race, racisme et politique mondiale. Et vos recherches portent sur l'ordre juridique international lu à partir des pays du Sud. Et vous travaillez également les approches décoloniales, postcoloniales quant à l'étude du Sud global et l'Afrique. Et je pense entre autres à un article que je crois que vous êtes en train de terminer avec Linda Ben Abdallah, qui était d'ailleurs parmi nous il y a quelques mois, qui porte justement un regard sur les études africaines aux États-Unis. Donc, j'imagine que ça sortira très bientôt. Et vous êtes également un des éditeurs d'un blog qui est absolument incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intitule Africa's a Country. Donc, vous êtes très impliqué dans ce blog. Donc, je pense que, de toute évidence, on est en très bonne main. Et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de vous joindre à nous durant ce mois de la francophonie. Dans quelques secondes, on va passer à... J'invite notre public tout au long de la présentation à entrer des questions dans la fonction Q&A, et non pas chat, mais dans la fonction Q&A que vous allez trouver, ou Q&A, que vous trouverez à droite, au bas de votre écran, et on surveillera les questions et on les prendra au moment de la période de questions. Je vais céder la parole au professeur Ba, mais on va se retrouver après la présentation pour une petite conversation, vous et moi, au sujet des études africaines et ensuite les questions du public. Professeur Ba? Merci bien, professeur Desrosiers. Merci aussi à toute la communauté universitaire d'Ottawa pour cette invitation. Mes remerciements également à Anna et Mike qui nous assurent aujourd'hui la logistique. Et bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous ce matin des quatre coins du monde. Cette présentation essaie de
d'apporter un rectificatif à ce que nous voyons souvent sur les questions des relations entre les États africains et la justice pénale internationale. En fait, les études sur cette relation entre les États africains et la Cour pénale internationale, la CPI, ces études tendent à mettre en évidence diverses contestations qui découleraient de l'attention quasi exclusive que la Cour porte au continent et aux Africains, ainsi que le débat concernant l'immunité des chefs d'État en matière de justice pénale internationale. S'il arrive de souligner souvent que les États africains ont été parmi les bâtisseurs et les plus ardents défenseurs de cette nouvelle architecture de la justice pénale internationale, il n'en demeure pas moins, à mon avis, que ce nouvel ordre juridique international est radicalement différent de celui que les États africains avaient envisagé. Et pour étayer mes propos, je retourne aux années 1980 et 90 pour revisiter les archives de deux moments charnières dans l'établissement de l'ordre juridique international actuel. D'abord, le travail de la Commission du droit international dans la rédaction du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et ensuite les négociations qui ont conduit à l'adoption du statut de Rome de la CPI. Ce faisant, nous constatons qu'en fin de compte, les États africains ont soutenu un ordre juridique international qui répondrait à leurs préoccupations propres, leurs craintes et leurs angoisses, dans un contexte de profonde méfiance entre l'Afrique et le droit international. Droit international ici mis entre guillemets. En ce qui concerne la CPI, par exemple, les délégués des États africains avaient esquissé une vision d'une cour qui serait universelle, indépendante et défendant l'égalité souveraine des États. En fin de compte, le projet de création de la CPI devrait conduire à l'avènement d'un système international égalitaire qui protégerait les États les plus faibles et constituerait un contrepoids aux velléités des grandes puissances. L'agenda africain relatif à la création d'une cour internationale était donc ancré dans le désir de restructurer le système international et d'instaurer un nouvel ordre mondial. Selon les États africains, donc, cette cour, non assujettie à l'influence des grandes puissances, contribuerait à corriger l'inégalité structurelle du système international. Pour les États africains, la création de la CPI n'a jamais été une simple question de justice pénale, mais plutôt une occasion d'inaugurer un nouvel ordre mondial. Cette étude s'appuie sur une analyse des archives et des rapports des réunions et négociations couvrant les décennies allant du procès de Nuremberg, où l'ordre juridique international actuel a commencé à prendre forme, jusqu'à la fin de la conférence de Rome de 1998, qui a consacré la création de la CPI. Plus précisément, cette étude se concentre sur deux moments charnières d'intenses délibérations et négociations. Le travail de la Commission du droit international dans l'élaboration du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité entre 1983 et 1996, et les négociations avant et pendant la conférence de Rome de 1993 à 1998. En ce qui concerne le premier point, je me concentre sur la tentative des États africains et plus généralement les États du Sud global d'élargir la liste des crimes internationaux et de codifier le colonialisme, par exemple, comme étant un crime international face à l'opposition des États occidentaux. Pour l'adoption du statut de Rome,
L'analyse montre que les États africains avaient envisagé une cour véritablement universelle qui serait indépendante du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'influence des grandes puissances occidentales. Mais en fin de compte, les États africains envisageaient surtout un ordre juridique qui corrigerait l'inégalité du système international. Quelques mots sur la création du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité entre 1983 et 1996. La question que l'on se pose ici, c'est comment la Commission en est-elle venue à définir et à codifier les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, ce qui est la formule consacrée en l'espèce. Eh bien, lorsque le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a été adopté dans sa version finale en 1996, seuls 4 crimes principaux étaient énumérés comme représentant les crimes les plus graves, c'est-à-dire le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et l'agression. Ces 4 crimes fondamentaux avaient auparavant été définis à Nuremberg. En outre, ces 4 crimes ont également été repris plus tard dans le statut de Rome en 1998. En ce sens donc, la communauté internationale est restée fidèle à une conception linéaire de la progression du droit pénal international dans sa définition des crimes qui constituent un outrage à la conscience de l'humanité globale. Et pourtant, la fameuse expression du long chemin de Nuremberg à La Haye, entre guillemets, n'a pas été linéaire du tout. Ce trajet a été parsemé d'embûches. En fait, il y a eu de nombreuses bifurcations, de nombreux arrêts et faux départs, en particulier lorsque les États africains ont tenté d'orienter la communauté internationale vers d'autres horizons plus égalitaires et un nouvel arsenal juridique foncièrement différent. En ce qui concerne la rédaction du code, le cas du projet d'inclusion du colonialisme comme crime international dans le code est révélateur. Ces efforts avaient finalement échoué et le code a été mutilé au nom de ce que Kelly Jo Bruen a appelé la parenté impériale des Occidentaux, Imperial Kinship of Settler Colonialism. L'absence du colonialisme comme crime international dans l'architecture de la justice pénale internationale n'est en aucun cas une omission malencontreuse, mais plutôt cette absence est au cœur d'une entreprise de résistance au projet que les pays du Sud avaient tenté de mettre en place. Entre 1983 et 1996, donc, sous l'impulsion de membres de la Commission du droit international venus des pays du Sud et de Dudu Thiam en tant que rapporteur spécial du projet du Code, la Commission avait sérieusement envisagé la possibilité de codifier le colonialisme comme un crime international, entre autres. Mais cet effort a été finalement contrecarré par les États occidentaux. En fait, la première lecture du projet de code que la Commission a publié comprenait 12 crimes internationaux. Les crimes d'agression, la menace d'agression, l'intervention, la domination coloniale et autres formes de domination étrangère, le génocide, l'apartheid, la violation systématique ou massive des droits de l'homme, les crimes de guerre d'une gravité exceptionnelle, le recrutement, utilisation, financement et formation de mercenaires, le terrorisme international, le trafic illicite de stupéfiants et l'atteinte grave et délibérée à l'environnement. C'est là la liste des 12 crimes qui avaient été retenus dans la version initiale du projet de code sous l'impulsion de Dudu Thiam. Et vous remarquerez d'ailleurs au passage que cette même liste a été reproduite plus tard dans le protocole de Malabo pour la création de la Cour africaine de justice. En guise de réponse à cette première version du code,
24 États principalement occidentaux ont éviscéré l'article sur la domination coloniale et presque tous les autres articles aussi. Si bien que lors de la deuxième lecture, en 1995, la Commission avait cédé à la pression, supprimant le colonialisme et 5 autres articles du Code. La version finale, adoptée en 1996, sera encore beaucoup plus réduite pour n'inclure finalement que le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et l'agression. Comment comprendre ces 13 années qui se sont écoulées entre 1983 et 1996? Au cours de cette période d'intense délibération, les États africains avaient déployé des efforts considérables pour inciter la Commission à codifier une liste de crimes qui étaient importantes pour eux et qui mettaient en évidence une vision d'un ordre juridique international qui parlerait de leur expérience de la subjugation coloniale et redéfinirait la signification des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. L'un des principaux architectes de cet effort, comme je l'ai tantôt dit, était l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Doudou Thiam. Thiam a été membre de la Commission du droit international de 1970 à sa mort en 1999. En tant que rapporteur spécial sur le projet de code, il a produit 13 rapports. Thiam était déterminé à inclure le colonialisme comme crime principal dans le code. Thiam affirmait que, je cite, « l'esclavage, l'agression, le colonialisme et l'apartheid entrent dans la catégorie des crimes de droit international stricto sensu, qui comprend les crimes qui portent atteinte aux valeurs sacrées des principes de la civilisation. » Fin de citation. En tant que tel donc, Thiam voyait l'inclusion du colonialisme dans le code comme une évidence. En fait, la position de Thiam reflète aussi sa trajectoire intellectuelle plus large. En tant que diplomate et expert juridique africain, qui a cherché à contribuer à la création d'un ordre juridique international répondant aux préoccupations des pays du Sud. 2 décennies avant d'être nommé rapporteur spécial sur ce projet, Thiam avait publié en 1963 un livre intitulé « La politique étrangère des États africains », dans lequel il affirmait que les États africains, je cite, « doivent continuer à chercher une voie qui leur soit propre s'ils veulent éviter le risque d'être divisés entre les deux forces mondiales. » C'était durant la guerre froide, bien sûr. Thiam était également un ardent défenseur du nouvel ordre économique mondial, appelant à un, je le cite, « Bandung économique » dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre 1967. Pour Thiam, la redistribution mondiale des richesses n'était pas seulement un devoir moral, mais plutôt une obligation légale. 2 décennies plus tard, en tant que rapporteur spécial de la Commission de droit international, Thiam avait fait pression pour l'élaboration d'un code des crimes internationaux concernant l'humanité dans son ensemble, qui engloberait bien sûr l'expérience africaine et notamment le crime de domination coloniale. La proposition de Thiam, donc, d'inclure le colonialisme dans le code s'est évidemment heurtée à l'opposition des États occidentaux. Par exemple, le représentant britannique avait contesté le caractère juridique du colonialisme. Le représentant américain disait que le terme colonialisme était, je cite, politique et émotionnel plutôt que juridique. Les États-Unis avaient qualifié l'article sur le colonialisme de vague. Pour les Pays-Bas, le concept était trop large et ambigu. Et le Royaume-Uni regrettait l'introduction de ce qui, je cite, « n'est guère plus que des slogans politiques dans un code conçu comme un instrument juridique ». Fin de citation. Face à tant de résistance, Thiam, lors de la seconde lecture du code en 1995,
avait proposé un projet révisé dans lequel il avait supprimé le colonialisme ainsi que les autres crimes comme la menace d'agression, l'intervention, l'apartheid, le mercenariat et les dommages graves et délibérés causés à l'environnement. Cette initiative, à son tour, s'est heurtée à une forte résistance de la part des États africains qui ont demandé à ce que le colonialisme soit réintégré dans le projet du code. En tout état de cause, à la fin de la réunion de 1995 de la Commission, il ne restait plus que les quatre crimes dans le projet du code. Encore une fois, c'est le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et l'agression. En fin de compte, la tentative ratée d'inclure le colonialisme en tant que crime dans le droit pénal international est symptomatique de l'effacement et de l'omission qui caractérise l'ordre juridique international. Les débats durant la rédaction du Code ressurgiront également durant les négociations qui ont conduit à la création de la CPI, alors que les États africains, une fois de plus, essayaient de proposer une cour pénale qui répondrait à leurs préoccupations et aiderait à réduire les inégalités du système international. Alors, quel type de cour pénale les États africains envisageaient-ils? Ici, je mets l'accent sur la négociation du projet de statut de la CPI et sur la création de la Cour entre 1993 et 1998. Lors des négociations sur la création de la CPI, les délégations africaines avaient à l'esprit les risques d'abus des instruments de la justice pénale internationale par les pays occidentaux. Les États africains avaient formulé diverses demandes concernant le type de cour qu'ils souhaitaient voir émerger de ces négociations. La principale caractéristique que les États africains souhaitaient voir dans la future cour était sans doute l'indépendance et l'impartialité de la cour. Par exemple, avant la conférence de Rome, le Sénégal avait accueilli une conférence africaine en faveur de l'établissement de la Cour pénale internationale. La déclaration de Dakar, qui en a résulté, réaffirmait la nécessité pour la future CPI de rester indépendante et de fonctionner, je cite, « sans être influencée par les actions du Conseil de sécurité ». À Rome, plusieurs délégations nationales africaines avaient insisté sur la nécessité pour la Cour d'être indépendante et impartiale et libre de toute ingérence du Conseil de sécurité des Nations unies. En ce qui concerne le thème de l'universalité, les États africains avaient souhaité une Cour véritablement universelle, ce qui signifiait une adhésion de tous les pays et une compétence universelle pour la Cour. Par exemple, le représentant du Sénégal affirmait que, je cite, « la compétence universelle devrait être reconnue pour les crimes principaux, même pour les États non partis ». L'Égypte déclarait que pour garantir l'universalité de la Cour, le plus grand nombre de pays possibles, en particulier les pays en voie de développement, doivent participer à la rédaction du statut de la CPI. Pour le Kenya, le but ultime du nouvel effort international devrait être d'établir une cour efficace jouissant d'une acceptation universelle et répondant aux normes les plus élevées en matière de justice et d'équité. Pour le Cameroun, le projet de statut d'une CPI ne serait viable que s'il faisait l'objet d'un consensus aussi large que possible. Pour l'Algérie, l'imposition de contraintes temporelles aux négociations ne ferait que mettre en péril le soutien universel à la Cour. Et enfin, la Libye avait affirmé que la composition de la Cour devrait représenter tous les différents systèmes juridiques. Pour ce qui est de l'indépendance de la future CPI, lors des négociations sur la création de la Cour,
aussi bien au sein de la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies que du comité ad hoc pour la création de la CPI, du comité préparatoire et de la conférence de Rome. L'indépendance de la Cour était certainement la question qui préoccupait le plus les États africains. Le Ghana notait par exemple que, je cite, « la Cour pénale internationale, bien que liée aux Nations unies, doit être totalement indépendante dans ses fonctions. » Pour l'Algérie, le but de l'exercice était d'établir une Cour indépendante et impartiale à l'abri de toute influence extérieure. Cette préoccupation était également partagée par les pays du Sud au sens large. Les pays non alignés, lors d'une réunion en Colombie avant la conférence de Rome, avaient réaffirmé que, je cite, « la Cour devait être indépendante de toute influence politique, y compris celle des Nations unies et en particulier du Conseil de sécurité, qui ne doit diriger ou entraver son fonctionnement. » Fin de citation. Le chef de la délégation sénégalaise à la conférence de Rome affirmait que la CPI devait être indépendante de toute structure politique, y compris du Conseil de sécurité et des États. La délégation sud-africaine, parlant au nom de la SADC, avait demandé que la Cour se dotât d'un procureur qui pourrait ouvrir des enquêtes sans interférence des États ou du Conseil de sécurité et une Cour dont l'indépendance ne devrait pas être entachée par des considérations politiques. Le Soudan déclarait que l'expérience de l'humanité dans l'effort de création de la Société des Nations puis des Nations Unies a montré que les considérations politiques entraient en jeu en toutes circonstances et que les principes et objectifs humanitaires sont exploités pour servir d'autres fins. Félicitations. En ce qui concerne le rôle du Conseil de sécurité, nombre d'États africains, y compris l'Algérie, le Cameroun, le Gabon, la Libye, le Soudan et la Tanzanie, étaient catégoriquement opposés à tout lien entre le Conseil de sécurité et la CPI. Ce lien constituait à leurs yeux une menace pour l'indépendance de la Cour et la rendrait vulnérable à des calculs politiques. Par exemple, le Gabon s'était dit étonné de voir que le projet de statut prévoyait la création d'un tribunal dont le fonctionnement dépendrait de la bonne volonté des États et dont la liberté serait entravée par ces mêmes États et par le Conseil de sécurité. Pour le délégué algérien, donner au Conseil de sécurité des pouvoirs juridictionnels porterait non seulement une atteinte grave au principe d'égalité souveraine des États, mais mettrait également en péril l'indépendance et l'intégrité de la Cour. Comme l'a déclaré le délégué du Ghana, il est d'une importance absolue de maintenir la crédibilité et l'indépendance de la Cour dans toutes les situations. Notant que les influences politiques du Conseil de sécurité de l'ONU ne doivent pas être autorisées à saper la Cour. Les États africains voulaient aussi une Cour pénale internationale qui défendrait l'égalité souveraine des États. Certains États africains, dont l'Algérie, la Guinée et le Soudan, arguaient qu'assujettir la Cour au Conseil de sécurité serait accordé à certains pays, je cite, un avantage dont ne jouiraient pas les autres États partis au statut. Ainsi donc, le Soudan exprima sa crainte de voir la Cour capturée par des États puissants. Pour les États africains, la Cour aurait dû être un mécanisme qui rectifierait l'inégalité structurelle de l'ordre mondial actuel. Un projet que, malheureusement, la Commission du droit international n'a pu conduire jusqu'au bout. Par exemple, le Gabon avait critiqué la Commission du droit international pour son manque de principes, je cite, « principes capables de guider la communauté internationale dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial ».
Sa portée étroite et son manque de vision de l'avenir sont regrettables. Fin de citation. La Libye envisageait une cour sur laquelle on pourrait s'appuyer pour surmonter des situations telles que les conflits politiques et les déséquilibres de pouvoir sur la scène internationale. Le Sénégal aussi voyait en la cour un projet pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui respecterait l'égalité souveraine entre tous les États, comme l'avait déclaré le délégué sénégalais à la conférence de Rome. Je cite, les petits États faibles avaient besoin d'une cour internationale à la juridiction obligatoire de laquelle tous les États, petits ou grands, seraient soumis. Fin de citation. En définitive, les préoccupations et autres demandes exprimées par les pays africains, aussi bien au sein de la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission du droit international, les différentes commissions ad hoc et préparatoires et la conférence de Rome, relevaient de la profonde méfiance que les États africains, avaient vis-à-vis du droit international, eu égard à la domination coloniale et à l'instrumentalisation des mécanismes internationaux pour mieux assujettir les pays du Sud à un régime foncièrement injuste. Pourtant, ces préoccupations ont été sommairement écartées. Deux décennies plus tard, il se trouve que les États africains avaient vu juste. Ce nouvel arsenal juridique international, au sommet duquel trône la CPI, met en évidence la mise en échec de ce que les États africains avaient voulu voir émerger de la conférence de Rome. Ceci dit, il n'en demeure pas moins que des années plus tard, certains États africains ont pu, à leur tour, instrumentaliser la CPI et l'utiliser à des fins politiques et sécuritaires. Ces États africains ont pu tirer parti de leur étatisme pour entraver, influencer ou instrumentaliser la CPI. Ils ont pu faire usage, par exemple, du renvoi d'une situation par un État parti pour externaliser les conflits sur leur territoire et neutraliser divers rebelles et autres chefs de guerre ou se débarrasser de leurs adversaires politiques. Des États fragiles ou fragmentés, des gouvernements post-coup d'État en mal de légitimité populaire, des chefs d'État au lendemain d'élections controversées, ont tous pu utiliser la CPI à leur avantage. Ces États, comme ce fut le cas en Ouganda, pour la RDC, la République centrafricaine, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, ont tous fait appel à la CPI quand les poursuites contre leurs ennemis ou adversaires leur arrangeaient, convaincus que le procureur a en fait les mains liées, parce que devant compter sur leur assistance pour mener ces enquêtes à terme, donc en définitive se concentrant exclusivement sur les crimes qu'auraient commis les ennemis d'État, entre guillemets. Dans les cas où la CPI s'est aventurée à fouiller dans les dossiers de l'État lui-même ou à essayer de poursuivre des autorités étatiques, alors on a constaté tout simplement la riposte ou le retrait ou les menaces de retrait de l'État en question de l'adhésion au statut de Rome, comme ce fut le cas avec le Kenya, le Burundi ou encore la Gambie. Tant et si bien qu'en fin de compte, la CPI semble n'être en mesure que de rendre justice au nom et en faveur des États, y compris africains, plutôt que des victimes et des communautés touchées par les atrocités criminelles. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde donc, l'action de la CPI est entravée par l'instrumentalisation politique et les calculs stratégiques. Le système pénal international, s'inscrit dans un cadre institutionnel enclin à exonérer les États, y compris africains, et leurs agents de toute responsabilité pénale,
en facilitant les poursuites contre les chefs rebelles, les seigneurs de guerre et autres djihadistes, si ce n'est tout simplement des adversaires politiques. Je vais m'arrêter là. Merci de votre aimable attention. Un grand merci, professeur Ba, pour une présentation qui était évidemment extrêmement riche. J'invite encore une fois le public à entrer les questions dans le Q&A. On y reviendra dans quelques minutes. De mon côté, je veux évidemment discuter avec vous de manière un peu plus large des études africaines, mais j'apprécie tout particulièrement l'importance de la recherche dans les archives qui ressort du travail que vous avez fait. Déjà, certaines des questions qui rentrent soulignent ceci. Vous proposez, vous l'avez dit, un rectificatif, un regard alternatif sur une thématique qui était évidemment très, très importante, mais sur une longue durée, ce qu'on ne fait pas nécessairement, et c'est là que le travail en archives a aidé, qui nous aide donc à traduire une histoire qui est une histoire d'une agencéité, de vision, de visée qu'on connaît peut-être moins, sous contraintes importantes, mais avec une capacité quand même de naviguer ces contraintes au niveau hein, de cet ordre de justice internationale. Je pense que c'est on aura probablement des questions très, très intéressantes à ce sujet. Évidemment, le format des midi-conférences est généralement un peu statique. On voulait dynamiser le tout en passant à quelque chose qui est un peu une petite entrevue, si vous voulez, un petit échange entre vous et moi, et entre autres, parce que comme je mentionnais plus tôt, on est à un moment intéressant à l'Université d'Ottawa, on est en train de réfléchir à notre propre programme en études africaines, et on s'est dit que vous en auriez beaucoup à dire là-dessus. Donc, je commencerai par une première question qui est liée au fait que vous observez ce champ, on l'appelle champ des études africaines, finement depuis déjà des années, entre autres par vos recherches, mais par votre implication dans ce blog Africa as a Country. Alors, comment se porte-t-il ce champ des études africaines à la lumière de vos recherches et de votre implication? Hein, où est-ce qu'on en est en termes d'études africaines? D'abord, toutes mes félicitations à l'Université d'Ottawa pour ce projet de mise en place d'un centre d'études africaines. Le moment est quand même, je dirais, bien choisi pour s'aventurer dans ces champs qui, par ailleurs, demeurent encore très complexes et controversés. En fait, nous vivons, je crois, un moment où on assiste de plus en plus au décloisonnement de la pensée et de l'expertise. Que maintenant, étudier l'Afrique ne se fait plus seulement à partir de certains lieux qui, de par le passé, étaient les lieux privilégiés où la connaissance authentique devrait certainement sortir, puisque on avait eu tendance à étudier l'Afrique généralement à partir des milieux universitaires occidentaux sans pour autant que beaucoup d'Africains eux-mêmes puissent participer à ces débats et à ces discussions. Donc, on assiste maintenant à un décloisonnement en grande partie qui est dû aux réseaux sociaux, à la démocratisation de l'accès aux médias et aussi à la présence de beaucoup de blogs qui ont permis à beaucoup d'africanistes africains eux-mêmes de pouvoir apporter la réplique, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait, de pouvoir apporter la réplique à certains types de connaissances qui sortaient de ces centres universitaires établis au niveau de l'Occident. Il demeure aussi que l'Afrique et les universités africaines elles-mêmes traînent encore le pied en ce qui concerne la mise en place de véritables centres de recherche dotés de moyens pour la production de connaissances sur l'Afrique. On a vu quelques exemples récemment, par exemple, il y en a un centre d'études africaines au Ghana, il y en a aussi en Afrique du Sud,
Et c'est tout à l'honneur de l'Afrique du Sud même d'avoir récemment créé un centre d'études de l'Amérique qui est basé sur le continent africain. Et je crois que c'est là un lieu où on aurait pu prêter beaucoup plus d'attention et qui va au-delà même de juste voir le continent africain comme le lieu où les experts occidentaux vont aller tester leurs hypothèses ou bien mettre en pratique leur théorie. Je vous remercie. Ma question suivante est peut-être un peu liée à ce que vous disiez, parce qu'effectivement, il y a des biais très, très importants dans la production de connaissances. Comme vous le dites, il y a une nécessité de venir décloisonner, de venir décentrer. Et je me demandais, à la lumière de votre expérience et de votre travail, ces biais dans la production de connaissances sur le continent africain, de quelle manière se manifestent-ils le plus? Et au-delà de ce décloisonnement, ou peut-être je dirais, en fait, comment on appuie ce décloisonnement pour repenser la production de connaissances par rapport à l'Afrique? C'est, en dépit de ce décloisonnement, je dirais aussi qu'il y a une constante dans l'évolution des études africaines en ce qui concerne le rôle et la place des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne ou bien même de la France quand il s'agit de la production de connaissances sur l'Afrique. Vous avez tantôt fait allusion à un projet de recherche que je suis en train de développer avec Lina Benabdallah qui porte sur une réactualisation du champ de connaissances sur les études africaines. En 1969, donc il y a un peu plus de 50 ans, à Montréal, justement, pas trop loin de là où vous êtes, s'était tenue la conférence de l'Association des études africaines, l'Association américaine des études africaines, donc African Studies Association, qui est la plus grande organisation qui regroupe ceux qui font les études africaines. Eh bien, il s'est passé un incident en 69 à Montréal durant cette conférence, puisque des participants africains-américains étaient montés sur l'estrade et s'étaient emparés des micros et s'étaient révoltés. Leur révolte portait sur trois questions principales. D'abord, ils se sont plaints que les Africains-Américains étaient exclus du leadership de l'association. Ensuite, il se plaignait que, en fait, les études africaines telles que pratiquées à l'époque étaient juste un tremplin pour les services militaires et de renseignement des États-Unis. Qu'en fait, les experts africanistes occidentaux travaillaient pour l'intérêt du gouvernement américain en matière de renseignement et de stratégie militaire. Et la troisième revendication qu'ils avaient posée, c'était que les experts africanistes, travaillaient étroitement avec le gouvernement des États-Unis qui supportait les régimes d'apartheid de l'Afrique du Sud à l'époque. Donc ça, c'était en 1969. On peut se demander qu'est-ce qui a changé. Là, le débat est ouvert, mais ce que nous croyons, c'est que même à ce jour, et ceci s'applique plutôt au contexte des États-Unis, parce que je ne suis pas tellement versé dans ce qui se passe au Canada en termes d'études africaines, mais dans le cas des États-Unis au moins, la question du financement des recherches portant sur l'Afrique pose encore problème. Ces financements viennent généralement du gouvernement américain. Et depuis quelques décennies maintenant, il y a le département de la Défense qui investit beaucoup d'argent pour cultiver une expertise
sur l'Afrique qui serait utilisée pour les intérêts militaires et sécuritaires des États-Unis. Ça a un impact sur les questions dont s'occupent les africanistes eux-mêmes, parce que les sujets traités dépendent en majeure partie du financement que l'on peut recevoir pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. L'autre point, et je vais terminer par ici, c'est qu'il y a encore de nos jours cette relation d'extraction, d'expropriation qui existe encore sur la manière dont les études sur l'Afrique sont conduites à partir des centres universitaires occidentaux. Merci, je vous remercie pour ces questions. Je vous en poserai évidemment beaucoup d'autres, mais je vois que les questions commencent à rentrer dans le Q&A, donc je veux céder la parole à notre public aussi. Je vais commencer peut-être par vous poser une question. En fait, je recoupe certaines des questions qui sont posées. Il y a quelques questions qui ont été posées par rapport à Thiam, entre autres, dont vous avez parlé dans votre présentation. Et notre public se demande, dans vos recherches sur Thiam, comment l'avez-vous, pourriez-vous nous parler peut-être un peu plus de la personne, qui était-il? L'avez-vous principalement rencontré dans le cadre des archives ou avez-vous eu l'occasion de l'interviewer? Comment avez-vous saisi sa pensée d'une certaine façon? Oui, c'est une question très intéressante. En fait, Tiam, je suis encore en train de l'étudier. Je n'ai pas pu le rencontrer. Il est décédé en 1999. Mais en fait, il était ministre de l'économie de la Confédération du Mali. Donc, même quelques années avant l'indépendance du Sénégal, en 58. Et à l'indépendance du Sénégal, il a été le premier à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Plus tard, en 1970, il a été élu à la Commission du droit international, qui est une commission des Nations Unies qui est basée à Genève. Et normalement, ceux qui sont élus à la Commission du droit international, ils ne représentent pas nécessairement les États. Ce sont des experts juridiques. Bien sûr, ils sont nommés par les États, mais élus par les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il se trouve que Thiam a été le rapporteur spécial pour le projet de codification du code des crimes. Contre la sécurité, contre la paix et la sécurité de l'humanité. En ce sens, il a été un artisan de ce nouvel ordre juridique que les États africains avaient essayé de mettre en place, même si finalement on peut se dire qu'il n'a pas réussi parce qu'il a fait face à une résistance féroce des États africains. Mais même avant d'avoir été commissaire à la Commission du droit international. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il a représenté le Sénégal à beaucoup de réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, où il a beaucoup prononcé des discours sur la nécessité d'organiser une conférence d'un Bandung économique pour le nouvel ordre économique international. Il a aussi prononcé beaucoup de discours sur la Rhodésie à l'époque, il a prononcé beaucoup de discours sur la Chine, la Russie durant la guerre froide. Donc, il a été un des artisans de la politique étrangère des pays du Sud au niveau des sphères internationales telles que l'Assemblée générale des Nations unies et la Commission du droit international.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois encore une fois les questions qui apparaissent dans notre Q&A et on passe d'une question qui était peut-être un peu plus pointue à quelque chose qui est un peu plus général. Je pense que beaucoup se sont posé la question. Votre propos, c'est le cas de toute personne, je pense qu'il va aller passer de longues heures dans les archives à essayer d'extraire de ces processus complexes, beaucoup de la nuance qui nous manque. Votre propos, il est très nuancé. En même temps, beaucoup de nos questions essaient de vous pousser pour voir si on peut avoir une réponse qui serait peut-être plus franche en termes de quel est l'espace, d'après vous, et le traitement qui est réservé aux pays africains dans l'ordre juridique international. Donc, peut-être que la question est un peu plus politique d'une certaine façon. En même temps, on sent dans les questions qui sont posées une autre question qui est celle de savoir, puisque vous nous avez raconté cette histoire de volonté de changement et de refaire d'une certaine façon un système qui serait un peu plus égalitaire, entre autres, et qui prendrait en considération certaines des visées des pays africains. Si on n'en est pas encore arrivé à ce système, quels seraient les moyens de l'atteindre? Où seraient, si vous voulez, les endroits où on peut appuyer les transformations et pour les solutions pour rectifier d'une certaine façon un ordre qui ne serait pas encore égalitaire? Merci bien. C'est une question très pertinente. Ce que j'essaie de faire, c'est d'aller au-delà des institutions elles-mêmes. Donc, d'aller au-delà de l'architecture de cet ordre juridique international. Donc, on peut penser aux cours et aux tribunaux internationaux qui existent, on peut penser aux traités qui sont ratifiés, ou à la législation, etc., etc. Mais en allant au-delà de ces institutions, j'essaie de revoir le processus de construction et de déconstruction de cet ordre. Et c'est là où je crois qu'il est important de souligner le rôle que les États africains ont joué dans la création de cet ordre lui-même, même si le rôle a parfois été d'essayer d'avancer une certaine vision de ce que cet ordre devrait être. Ça n'a pas toujours réussi. Et pourtant, ce processus nous souligne que les Africains ont été assis dans ces réunions, qu'ils ont avancé un agenda, un programme, qu'ils ont justifié et que cet agenda était en relation avec leur expérience d'anciens pays colonisés, dominés, etc. Et c'est pourquoi j'essaie de voir l'Afrique comme étant aujourd'hui encore un acteur de ce processus de construction et de déconstruction de cet ordre mondial. Parce que je ne pense pas que le travail soit fini. Dans ce propos, je me suis appesanti sur les années 80, les années 70, 80, 90, mais on peut faire ce travail même en se portant sur ce qui se passe aujourd'hui. Prenez la question de la décolonisation. La décolonisation, elle n'est pas achevée. Et les États africains sont encore là en train de mettre en place un système qui essaierait de parachever cette décolonisation. En quoi faisant? En utilisant l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est là tout l'intérêt de l'Assemblée générale des Nations unies parce que c'est une institution beaucoup plus démocratique que le Conseil de sécurité. Et à l'Assemblée générale des Nations unies, les Africains ont le poids du nombre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé à plusieurs reprises l'Assemblée générale des Nations unies pour demander
à la Cour internationale de justice de se saisir des questions de décolonisation. Il y a 2 ans, par exemple, la Cour internationale de justice a donné son opinion. Ce n'est pas une décision juridique, c'est juste une opinion. Mais cette opinion concernait la décolonisation, le conflit, entre guillemets, entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, en ce qui concerne les îles du Chagos, qui aujourd'hui encore sont colonisées par la Grande-Bretagne et qui sont sous-louées aux États-Unis qui y ont établi une base navale. Et la Cour internationale de justice a donné un avis favorable aux Africains et à l'île Maurice en disant que le Royaume-Uni a intérêt à parachever la décolonisation de Chagos Islands et de remettre ce territoire à l'île Maurice. Donc, c'est juste pour dire que j'essaie de m'appesantir sur ce processus de construction de cet ordre mondial qui, aujourd'hui encore, continue d'avoir lieu sous nos yeux si nous y prêtons attention. Merci. Peut-être pour poursuivre dans cette lancée, puisque vous êtes bien entendu sur des questions de justice, de ces institutions de justice internationale, mais il y a des processus plus bilatéraux ou certainement des revendications adressées de manière dans des relations bilatérales qui vont porter, par exemple, sur toutes les questions de reconnaissance du mal qui a été fait durant la colonisation, de rapatriement d'artefacts. Est-ce que ça vient contribuer à défaire, à changer cet ordre international dont vous nous parlez? Oui, bien sûr, la question bilatérale est une question centrale sur ce qui se passe avec ces projets de construction et de déconstruction de l'ordre mondial. Il y a 2 aspects sur cette question bilatérale. D'abord, il y a l'aspect des relations entre les pays du Sud eux-mêmes. Il y a aussi l'aspect des relations entre les pays du Sud et ceux du Nord. Par exemple, en ce qui concerne la relation entre les pays du Sud eux-mêmes, on voit qu'au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, avec le groupe des 77, avec le groupe des non-alignés, il y a ces réseaux solidaires qui aujourd'hui encore continuent de fonctionner au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour ce qui concerne la question que j'ai évoquée tout à l'heure sur l'île Maurice contre la Grande-Bretagne, à la Cour internationale de justice, on avait vu un groupe de pays qui ont plaidé en faveur de la Grande-Bretagne. Et ce groupe incluait bien sûr les États-Unis, Israël, quelques pays européens. Et à l'opposé, on avait un autre groupe beaucoup plus large de pays qui ont appuyé le dossier de l'île Maurice en soutenant que les îles du Chagos appartiennent à l'île Maurice et que la Grande-Bretagne devrait parachever la décolonisation des îles Maurice. Et il y a eu l'Union africaine en tant qu'institution qui a plaidé en faveur de l'île Maurice, des pays aussi latino-américains et asiatiques. Donc, les pays du Sud ont fait un bloc en essayant d'avancer ce projet. La question bilatérale aussi, bien sûr, s'applique aux relations entre certains États africains et ceux du Nord, où on a vu, par exemple, pour ce qui est de la CPI, les États-Unis utilisant leur pouvoir pour faire signer des conventions bilatérales avec presque tous les pays du monde, en majorité ceux du Sud, en disant que vous devez signer cet accord bilatéral qui garantit une immunité aux citoyens américains en ce qui concerne les potentielles poursuites par la CPI. Disant peut-être, par exemple, que vous devez signer ce document qui dit que
jamais vous n'allez coopérer avec la CPI dans une poursuite éventuelle contre un citoyen américain. Donc, en ce qui concerne les relations bilatérales, bien sûr, les pays du Sud ont un désavantage parce que les pays du Nord ont la possibilité d'utiliser beaucoup de leviers qui leur permettent d'assujettir les décisions de ces pays du Sud aux intérêts des pays occidentaux eux-mêmes. Merci. J'ai deux questions beaucoup plus pointues qui ressortent des questions qui sont entrées dans le Q&A. Premièrement, une question dans vos recherches sur ce projet de code tel qu'initialement proposé. Hein, donc, vous parliez de ce parcours pour le processus de mettre en place ce code de justice internationale dans les années 80, début des années 90. Avez-vous été en mesure d'identifier une position canadienne? Bon, évidemment, étant à l'Université d'Ottawa, on va vous pousser peut-être là-dessus. Une autre question qui est une précision sur Thiam, était-il avocat, était-il juriste? La position canadienne, c'est une question très pertinente. Je suis sûr qu'il y a une position canadienne, même si ce qui m'intéressait le plus, en fait, sur ces archives des réunions de la Commission du droit international, c'était la position des États africains, des pays du Sud. Donc, je n'ai pas beaucoup prêté attention à la position de certains pays occidentaux. Mais certainement que, et d'ailleurs, tous ces rapports de la Commission du droit international sont accessibles sur Internet, sur le site des Nations Unies. Et c'est un peu l'avantage de travailler sur ces genres d'archives pour ce qui concerne les organismes des Nations Unies. On y a accès digitalement. Mais pour ce qui concerne la création de la CPI, de la conférence de Rome, là, le Canada a été un des acteurs principaux parce que le Canada était le leader de ce qu'on a appelé The Like-Minded Group. The Like-Minded Group, c'était ce groupe d'États qui était un peu différent du groupe des États qui siégeaient au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est ce groupe-là qui voulait en quelque sorte la création d'une cour qui soit indépendante du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur d'une cour dont le procureur aurait des pouvoirs très étendus pour pouvoir se saisir et aussi une cour qui aurait une compétence universelle, donc une cour à laquelle tous les pays aurait souscrit. Donc, le Canada était le leader de ce groupe-là qui essayait un peu de voir émerger de la conférence de Rome une cour qui aurait une compétence universelle indépendante des calculs politiques du Conseil de sécurité. Et ce groupe-là, qui était dirigé par le Canada, était aussi supporté par la quasi-totalité des ONG des ONG de droits de l'homme qui étaient présentes à la conférence. Pour ce qui concerne Thiam, s'il était un juriste, je ne sais pas trop quel genre d'études il a fait, mais j'imagine que même s'il n'était pas un juriste de formation, il l'était de fonction. Parce que la Commission du droit international, c'est une commission à laquelle siègent des experts en droit international pour codifier le droit international. Mais il se peut aussi qu'il ait été beaucoup plus diplomate que juriste, parce que même en ce qui concerne la CPI, il y a des juges qui sont beaucoup plus diplomates que juristes, qui sont élus sur ce qu'on appelle la liste B. Donc, il y a la liste A et la liste B. Et la liste B,
Dans la liste B sont nominés des gens qui sont beaucoup plus diplomates que juristes. Donc, il se peut aussi qu'il fût beaucoup plus diplomate que juriste. D'accord, merci. On a une question qui ne porte pas sur vos travaux sur la justice pénale internationale, mais qui revient à la conversation que vous et moi avons eue sur les études africaines, où un membre de notre public nous demande, vous aviez parlé du fait que vous notiez que certaines institutions africaines ont peut-être, je ne me souviens plus la phrase que vous avez utilisée, mais avaient peut-être un peu de retard en termes de mettre de l'avant des programmes ou des centres portant sur les études africaines. Et la question qui est posée est, qu'est-ce qui expliquerait justement cette situation? Est-ce que les études africaines sont une priorité pour les chercheurs africains ou est-ce qu'ils ont une focale différente peut-être en termes des questions à poser? Oui, c'est une question très pertinente. En fait, pour répondre à cette question, je crois qu'il serait utile de revoir un peu quelle est la fonction de ces centres d'études africains, quelle est leur histoire. Pourquoi les États occidentaux, pourquoi la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont senti à un moment le besoin de créer des centres pour étudier l'Afrique et développer des experts. Le besoin, il était d'abord colonial. Les premiers centres d'études africaines sont apparus en France et en Grande-Bretagne, en France pour ce qui concerne surtout l'Afrique occidentale française. En Grande-Bretagne, le premier centre qu'ils avaient créé était au Nigeria, le deuxième, je crois, c'était au Kenya. Et que ces centres, en fait, au début, durant la période coloniale, étaient opérés par des colons slash experts anthropologues. Donc, il y avait cette symbiose entre les administrateurs coloniaux qui étaient eux-mêmes les scientifiques qui étudiaient les sociétés africaines. Plus tard, la deuxième vague de création de ces centres d'études africaines, c'était durant la guerre froide, notamment en ce qui concerne les États-Unis, dans les années 50, où ils ont senti le besoin de développer une expertise, en ce qui concerne les sociétés et les pays africains. Pas seulement africains, ils ont aussi créé des centres d'études, des pays, asiatiques, et latino-américains aussi. Pour des besoins stratégiques, économiques, etc., durant la guerre froide. Eh bien, alors, pour les États africains, ce problème ne se posait pas, ce besoin ne s'était pas fait sentir, donc on n'avait pas eu le besoin de créer des centres d'études africaines. Mais il se trouve que la carte universitaire de l'Afrique, je crois, gagnerait beaucoup à aussi s'intéresser aux questions africaines. Par exemple, qu'à l'université de Dakar, qu'on étudie le swahili, pourquoi pas? Ou bien qu'à l'université de Nairobi, qu'on étudie le wolof en plus du français. Il y a une question de moyens qui se pose, bien sûr, mais je crois que l'autre problème qui existe aussi en ce qui concerne la recherche en Afrique par les Africains, c'est le problème anglophone, Afrique anglophone et Afrique francophone aussi. Et donc, il y a encore aujourd'hui cette barrière linguistique qui existe dans le paysage universitaire africain. Qu'on connaît certainement en contexte canadien, puisqu'on vit une réalité similaire en termes de ce qu'on appellerait nos solitudes linguistiques. Professeur Ba, on arrive à la fin de notre heure et quart de conversation.
Merci énormément pour ce parcours qui a été encore une fois extrêmement riche. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne transition vers vos nouveaux horizons. Et puis on espère qu'on aura l'occasion de vous revoir de nouveau sur notre campus, peut-être plus en présentiel qu'en virtuel. Merci encore. Merci bien, professeur Desrosiers. Merci à tout le public qui s'est joint à nous aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci aussi à tout notre public et aux organisations sur le campus qui nous ont aidés, bien entendu, hein, à organiser l'événement, c'est-à-dire le CEPI et le Collège des chaires sur le monde francophone. Merci encore. Bon après-midi tout le monde.